d'habitude, je suis très très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, puisque je vais vous parler d'un sujet d'organisation mentale, d'un peu de stratégie. Voilà, tout d'abord, je voulais commencer par vous dire merci, un grand merci pour tous les messages que j'ai eus qui sont extrêmement stimulants pour moi et qui m'encouragent énormément avec cette reprise de mes vidéos pour ce deuxième confinement. Voilà, donc merci et je suis aussi très fier de contribuer à votre progression et à cet amour que vous avez pour ce sport qui est vraiment génial. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes tous, en tout cas je l'espère, dans une logique et dans une volonté de progression. Et ça va être justement le thème de cette vidéo. C'est comme tous les grands champions, vous savez, ils ont tous en commun une chose, c'est qu'ils ont tous cette volonté de s'améliorer en permanence, de cette volonté d'être toujours meilleur et de ne pas se fixer de limites. Et quand ils se fixent des objectifs avec des limites, eh bien, une fois qu'ils arrivent à ces objectifs, eh bien, ils s'en créent et ils en développent de nouveau. Donc, c'est extrêmement important que vous soyez dans cette logique de progression, que vous soyez dans cette, que vous ayez cette attitude et cette volonté de vous améliorer en permanence. À vous, alors, vous allez me dire, bon, formidable, très bien, très bien. Mais on commence par quoi? Alors, ce que je vais vous offrir, c'est un processus, c'est un chemin et une idée pour vous développer. Donc, un modèle très simple pour vous aider à progresser. Quand vous faites une activité, en l'occurrence le golf, mais ça peut être aussi très bien pour votre métier, pour votre vie familiale, votre relation avec votre épouse, c'est toujours avoir une bonne attitude et comment vous améliorer. Quoi que vous fassiez, il faut le faire bien. Et quand on vous demande quelque chose, eh bien, on peut très bien, une tâche, on peut très bien la faire moyennement bien et la faire, je dirais, comme un junior, parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous faites ça depuis peu de temps, parce que vous n'êtes pas très doué dans l'activité qu'on vous demande. Vous pouvez faire ça comme un senior, c'est-à-dire le faire bien, mais le faire encore avec des automatismes, avec des réflexions, en réfléchissant un petit peu à ce que vous faites. Puis, le troisième niveau, je dirais, vous pouvez faire ça comme un expert, c'est-à-dire faire les choses correctement, les faire bien, mais d'une manière automatique, d'une manière plus spontanée, d'une manière plus naturelle. Et puis, le troisième niveau, c'est qu'on devient maître dans ce que l'on fait. Et quand on est maître dans ce que l'on fait, eh bien, c'est là où on est capable de commencer à retransmettre et à pouvoir délivrer des messages. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est que je leur propose, je leur donne un tableau de progression qui va s'afficher sur l'écran. Vous pourrez faire pause pour le contempler un petit peu mieux. Un tableau de progression qui vous permet de savoir où vous en êtes. Voilà donc pour ce premier tableau que vous avez pu observer. Vous avez pu vous rendre compte que dans ce tableau qui est relativement précis et qui concerne d'ailleurs les joueurs plutôt de 0 à 20, parce que je rentre un petit peu dans des détails, encore, on peut être encore plus précis, mais il ne faut pas non plus être trop dans les détails. Il y a également un deuxième tableau plutôt réservé pour les joueurs au-dessus de 20 de handicap, un tableau qui est un petit peu plus simple. Et l'objectif vraiment, c'est une analyse de votre jeu, savoir où vous en êtes et où vous pouvez progresser. Il est bien important et il est important de prendre, d'analyser correctement en vous disant que les domaines où je suis déjà expert, eh bien, on peut devenir maître. Parce que si vous êtes déjà expert, c'est qu'en travaillant justement sur ces points forts, eh bien, vous travaillez dans le ludique. Vous aurez donc du plaisir à travailler et il n'y a jamais de limite à la progression quand on travaille sur ses points forts. Donc, ne travaillez pas que vos points faibles. Et ça, il faut bien analyser ce tableau avec votre pro
pour qu'ils vous fassent un programme d'entraînement. Fixez-vous des objectifs. Il est vraiment important que vous sachiez qui vous êtes. Et la méthode justement Action Type vous permet de savoir comment vous fonctionnez mentalement, comment vous fonctionnez votre signature motrice, donc physiquement. Mais donc c'est important de savoir qui vous êtes et où vous en êtes. Et là, ce tableau va vous permettre dans le goal de savoir où vous en êtes, où vous voulez aller. Ça, c'est important de savoir où on veut aller et quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition pour obtenir mes objectifs. Et après, il sera important de vous fixer des objectifs. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la fixation d'objectifs parce que ça mérite vraiment, c'est un sujet vraiment très, très important sur le plan mental et pour vous aider également dans la progression. En tout cas, ce qui est important et le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'attitude que vous allez avoir est fondamentale, que ce soit dans votre métier, que ce soit dans les relations avec votre époux ou votre épouse, que ce soit avec vos enfants, donc en famille, ou bien dans une tâche ou dans votre sport, tout ce que vous faites, on n'a pas toujours le choix de ce que l'on fait, mais on a toujours le choix de le faire le mieux possible. Et c'est ça qui est important. Donnez-vous les moyens. Et je suis persuadé que ce processus vous aidera à progresser. C'est une évidence. Quand on travaille bien. Ce n'est pas la peine de travailler beaucoup. Il faut bien travailler. Parce que travailler dans les domaines qu'on maîtrise un petit peu et pas bien travailler, j'ai le sentiment qu'on perd son temps. Donc, ça vous aidera à mieux travailler. Donc, encore une fois, respectez ce processus, respectez bien ce tableau et vous verrez que vous progresserez. Et cette progression vous rendra meilleur et vous aurez davantage confiance en vous. Et ça, c'est vraiment important également pour le résultat. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur ma chaîne YouTube, N'oublions pas le golf. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Au revoir.